J'en ai récupéré un de plus. Ok. Ensuite, on va essayer de longer là. Je les ai entendus parler, ils doivent être au-dessus. Je peux pas y aller? Oh la honte! T'es sérieux? Qu'est-ce qui a causé votre phobie d'erreur? C'est arrivé l'an dernier après une attaque d'artillerie. Je suis resté coincé 2 jours dans un trou sous 2 soldats morts et des rats. Ils commençaient à me bouffer dès que je m'assoupissais. Ils rongeaient mes oreilles, mes doigts, mes lèvres. Je ne pouvais pas bouger ni appeler à l'aide. Je vois. Non, vous ne voyez pas. Vous ne savez pas ce que ça fait de se réveiller enseveli sous des cadavres, la chair rongée par des vermines. Oswald m'a trouvé et m'a sauvé. Ok. Non, j'ai un truc à faire. On peut pas rentrer. Zut. Là, ça marche pas. Oh non, là, ça m'intéresse pas. Je peux y aller. Ok, donc ça marche pas. J'aurais essayé. Je pensais qu'en les, on pouvait rentrer, mais non. Depuis que je suis revenu de la guerre, je consacre la plupart de mon temps. Je comprends que ce que vous ressentez, j'ai été soldat moi aussi. Non, vous ne le comprenez pas, personne ne peut le. Pourquoi étiez-vous enfermé dans cet égout? Je suis allé vers le canal après m'être engueulé. J'ai poursuivi ces enfoirés malgré ma claustrophobie. Ok. Pourquoi vous êtes-vous enfoui? Newton voulait que j'aille à l'hôpital, mais je ne supporte pas d'être. J'ai donc fui. Ok. Parlez-moi de votre claustrophobie. Vous avez officiellement. On vous a officiellement diagnostiqué. Foutu docteur, on dit. On examine à nouveau et je m'en sortirai. Ok. Oswald, pourquoi choisir de souffrir? Pembroke Hospital se fera un plaisir de vous aider. Je n'ai pas confiance aux médecins. Tout ce qui les intéresse, les théories et les carrières, plus jamais quelqu'un. Quelque part. Votre peur de l'enfermement ne guérira pas d'elle-même. Vous avez besoin d'aide, de professionnels. J'ai vu assez de boucheries. Le boucher, hôpital, respect. Après, ok.
Pas vraiment les gens malades des summers, mais se battre. Déjà connu ça dans les guerres, d'accord. Ok. Bon, j'ai dû débloquer un truc avec Thatcher. Je vais aller voir. Lui, il a rien de nouveau. Ok, c'est parti. C'est Stringland, c'est pas Thatcher. Strickland. Rien d'autre. C'est pas lui non plus. Punaise, il est où lui? C'est pas lui. Thatcher, t'es où? Non. Elle est là. Il doit être en haut. Le voilà, non. Non, c'est Swansea. Je menais des recherches dans mon bureau, loin de... bien sûr, ne vous inquiétez, je comprends, la situation est assez tendue. Ici, je ne nie pas, mais nous tenons toujours bon. Les nouvelles ne sont pas bonnes, mon ami. Nous essayons de repousser l'épidémie, mais la violence des rues s'aggrave rapidement. Et l'épidémie, elle tue plus rapidement que les patients infectés en moins de 2 jours à présent. Le seul point positif est qu'ils sont contagieux au moins longtemps. Et la violence? Jeffrey McCallum semble avoir lâché sa meute de guerre chaque nuit. Les gardes privés exterminent tous les skulls et vampires qu'ils trouvent. Se sont approchés de l'hôpital? Non, ils se concentrent sur les quartiers perdus, dans les bâtiments abandonnés. Cependant, le nombre ne cesse d'augmenter et ils doivent recruter en masse. J'ai reçu une lettre inquiétante de la part de Lydie. Elle veut que je la rencontre chez elle. J'ai obtenu laissez-passer.
Alors vous êtes doublement chanceux, je n'ai jamais été invité au manoir de Lady Ashbury, et avec la quarantaine et les contrôles, presque impossible. La quarantaine est-elle efficace? Elle permet de ralentir la propagation de l'épidémie, mais tant que nous ignorons son origine, son efficacité est limitée. Pourquoi n'êtes-vous jamais allé chez elle? Vous êtes pourtant ami, n'est-ce pas? Mon cher Jonathan, vous n'avez pas mesuré à quel point la dame est solitaire, ni l'estime en laquelle elle vous tient pour vous inviter. Ok. Puis-je espérer une aide quelconque dans le Weston? Malheureusement, vous serez seul, exception faite des ravisseurs, des ravisseurs de cheveux roux de notre ami. Qu'en est-il de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul? Où sont-ils? Nous sommes très peu, la majorité des membres ne vous parlera pas. Je suis le mouton noir de la confrérie, vous savez. Et qu'en est-il de mon poste dans cet hôpital? Vous n'avez rien à craindre, Jonathan, votre poste n'est pas menacé. Vous êtes un des nôtres et vous serez toujours plus bienvenu. Ok. Bon, j'ai toujours pas trouvé Tachter. Non. Non, ben y a rien. Ok, on aura récupéré deux coffres, même pas. C'est bloqué. Peut pas. On va aller voir l'autre côté. Pas non plus, ok. On était déjà venu par ici, mais je me suis trompé, c'est de l'autre côté que je voulais aller. À le savoir que c'est verrouillé. J'aimerais bien qu'il se déverrouille. Déjà, on sait que le docteur il est pas par ici. Non, c'est Ockroy à chaque fois. Il est où, Tacheteur? Ah, là-bas. Ah, c'est Strickland.
Les striglons, tu m'énerves. On doit être dehors. Non, ici c'est puis je sais plus quoi. Le blanc. Non, c'est pas lui. Ça, c'est Pic, je sais plus quoi. Bah tant pis, hein. On repart sur l'idée de base. N'y avait pas une boîte ici. Elle est ouverte. Ok. Là, il y a une boîte. Une sacoche.